Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, après d'avoir vérifié dans mes propres informations, je vais parler à lui. Do you have something else to ask me? Non, c'est pas ça. I'm not sure that I can be helpful. Bon, c'est pas ça, faut que je vois. On va retourner là. Bon. Holmes? All these events are bad for the baths and my job. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. One lens is cracked. These lenses are for... With the steam on, I'm unable to see even a few feet away.
G. Newell and... The steam room. The changing room. This area serves as sorority. Bon, qu'est-ce que j'ai pas vu? Ouais, j'ai vu. J'ai arrivé en même temps, t'as dit. En même temps, t'as fermé, t'as dit, ouais, Caribou, on a chié d'être là. Quelque chose dans le genre. Tools used by archaeologists. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Une statue égyptienne. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. A glass plate negative. Glass plate negative. A remarkable method for recording ancient civilizations. Les civilisations 1888. Glass plate negative. Ok. Alors, faudrait peut-être que je vérifie. Non. Archaeological findings, old clay.
this area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Those stones weigh... It does not... Rozark Mark, what's up? Rorarque, Marc, peu tabarnak, c'est quoi ça? These baths are becoming sinister. On veut retourner à la maison, voir. My analysis table. It is useful for my work. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it. This is where I keep my post. My archive. I can always... Pourquoi faudrait que je me change?
Mêlé. Ah, peut-être. We don't have many leads here. Peut-être parler au chef de police. What should we do next, Holmes? No. Mr. Holmes? Mr. Holmes? When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Ouais, j'ai pris un Sunday, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si tu sais qu'est-ce que c'est. An embroidered. A fountain pen with solid gold trim. Sir Gregory Pitkin's visiting card. Sir Gregory. An embroidered silk handkerchief. Locked. The coroner observed. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. Une tartiflette, c'est quoi ça? According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tomb. Concentré, ça marche pas. The bruising is in lines. Some light bruising caused by a rope. Some light bruising caused by a rope. Some light the bruising. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says.
Cibole. Good day to you, Mr. Holmes. Do you have something else to ask me? I'm not sure that I can be helpful at the moment. I'm trying to rest. Oui, la scène. Trouver l'arme. Trouver quelle découverte importante sur René, ça va être taf. Ah, mais je trouve ça où, hostie? Ça a rapport à ça, là. Ah! Oh oui! J'ai trouvé. Je vais me rappeler quelque chose. Tu l'as, Gwen? C'est là, la carte! Now we have two maps. We must combine them. Ça vient de m'allumer! Bon. La rue s'appelle Saint-Armand, quelque chose de même. Hmm.
Tabarnak, ça pourrait être plus compliqué que ça. Je pense que c'est là. Je te tue. Faites vos bagages. Nous allons visiter un lieu. C'est intéressant indiqué sur la carte de Sir Rodney. T'as pas d'idée, toi. Caribou, ça a juste pris une demi-heure, vous le trouvez? Tabarnak. This archaeological site has been archéologique est abandonné. Pourquoi Ben Cliff était venu ici? C'est la carte du site. Nous sommes au cœur d'une ancienne cité romaine. La mitraille pratique leur culte dans le secret vénéré, quotidien des divinités, plus conventionnels, tels que Junon ou Neptune. Les temples de Mitra ou Mitra se trouvaient souvent sur ceux d'autres dieux. Les mitrastes confiaient souvent la garde du temps à leurs dieux traditionnels. Ainsi, l'entrée du Mitra au français de Dio se trouvait sous une statue de Diane. Cette entrée, qui se trouvait à l'aide de mécanismes ingénieux, s'imposait de pierres et de cordes, n'aurait peut-être jamais été découverte si une infiltration d'eau n'était détruite. De mécanismes ouvrent accès au Matrium. Il existe des temples mitrastes à Rome, à Otis, à Ostie, en Numidie, en Dalmatie, en Grande-Bretagne, le long de la frontière Danube, ou encore plus rarement, en Grèce, Égypte, Syrie. Le culte de Mitra était une religion, un mystère, pratiquée à travers l'Empire romain du 1er au 4e siècle. Après Jésus-Christ, environ le nom du dieu persan Mitra ou Mitras en Grèce était associé à une iconographie inédite. La complexe initiation Mitras se déclinait en sept grades composés de repas rituels. Les initiés se retrouvaient dans les temples souterrains appelés Mitraea. Dans bon nombre de ses corps, les représentations du dieu Mitra le montrent souvent naissant. Un rocher au port fendant, un taureau, Taurotogni. Le couteau Mitras de l'autochtone sacrifice de taureau est une lame rituelle d'origine perse incuvée de 5 à 15 degrés. Le nom provient du perse Shemshir, c'est-à-dire épée. Cette famille d'armes fortement incuvées comprend Shemshir, cimetière, talwar, kilij, pouloir et sabre mongol. Le mitraïsme a son saint graal, un poignard d'or dont parlent les mythes et les mystères du culte. Une malédiction affirme qu'il fera couler le sang de tous les individus indignes qui oseraient y toucher.
Et les noix de coco vides dont il se servait pour imiter les bruits des sabots des chevaux, encore un étrange rituel dédié aux anciens dieux et censé écarter les mauvais esprits. Ceux qui se croyaient victimes du mauvais œil faisaient fendre leurs objets de valeur. Les tribus subsahariennes brûlaient les fruits, les riches familles romaines de l'argent ou de l'étain, sans regarder à la dépense. Les témoignages ne précisent pas si les précieuses offrandes étaient jetées avec... Laissons-nous réutiliser ultérieurement. Ouais. T'as pas besoin de cogner pour ça. T'as pas besoin de cogner pour rentrer dedans. This is the map of the site. We are at the heart. Un cyclope, un cyclope. Vulcan, the god of fire, dieu du feu et de la forge. The cyclope, une créature bonne qui aide Vulcan, le forgeron. Inspecter le site de la fouille. Ah, 12 pièces à combiner pour former ce qui semble être un moule. Donc, il va falloir vérifier ça en rendant à la maison. Je sais pas si tu te rappelles qu'il y avait de l'archéologie dans un autre jeu aussi. It is a broken statue. La statue taureau brisé. La carte du site, nous sommes au cœur d'une ancienne cité romaine. Le gastrophète, pourvu d'une corde, d'un crochet, s'utilisait comme un siège. Cher Lord Blackmore, ce Grégory Pitsky, le gérant des thermes, m'a d'abord mis des bâtons dans les roues. Après votre intervention, il s'est montré autrement plus coopératif. Il arrive que par étroitesse d'esprit, les individus de son rang se prêtent mal aux travaux de cette envergure. D'ici quelques semaines, j'espère avoir une bonne nouvelle à annoncer au terme de Strandlane. Je suis à deux doigts de découvrir une relique archéologique inestimable que votre parti pourrait avantageusement reprendre à son camp. Elle symbolise en effet la force de nos ancêtres et la nécessité de protéger notre empire face à toute menace présente ou future. Bien à vous, Sir Rodney Bentclive.
Ouais, j'avoue. On dirait qu'il y en a deux qui me fait penser à ça, mais surtout elle. Calvin. Oh, ben toi, vous vous prenez pour des malins, j'ai rien ri. J'ai bien ri quand vous avez pris dans la glace les notes de Mir Durkin sur l'arche d'Adrien. Mais nos examens de thèse approchent puisque tu es le tout relatif cerveau de notre probabio. Je dois t'interdire de toucher à ma maquette de Gatrophète. La balette grecque en tequinant quelques instruments. Médical visant à soulager les constipés, comme tu as pu le croire. Oh, de quoi je serais contraint d'informer Monsieur Wormswood de tout ce que vous avez fait ces deux dernières années. J'ai mangé le sandwich au temps de Hubbes. Puisqu'il n'a aucune envie de voir repousser l'ouverture au public, les termes romains à cause de Sir Rodney d'une mauvaise humeur. Puisqu'il n'attend bénéficier des recherches de Sir Rodney, il voudra un terme renommé. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. The gastrophètes were used with ropes and hooks for sieges. Lors des sièges. Pas d'indifférence ou en fait, la porte a été laissée ouverte. This railway is used to remove rubble from the site. Votre face a dégagé les granites du site. This wall was covered with mud. Elle était recouverte de boue récemment. Que cache-t-elle? This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Faut un outil. Ah, les outils étaient peut-être, je sais pas. Alors là, les outils, qu'est-ce qu'il fallait les trouver?
excavating tools. A bucket, shovel. Excavating tools. L'as-tu fini au moins, Sherlock Holmes, avant de commencer un autre Sherlock Holmes? I can see now. Ça y est. Frigidarium. Frigidarium, il est situé dans les thermes romains de Londres. Quelqu'un a pris le temps de cacher cette fresque. Mais pourquoi je dois me rendre sur place? I need to visit this place. Hey, de la misère avec ce bouton-là. It is a statue of Minerva. La statue. It is a statue of Minerva. Neptune, the god of the sea. Neptune, dieu de la mer. Oh, j'ai terminé cette partie-là. Frigidarium, ça veut dire qu'ils l'ont peut-être fait, ils l'ont peut-être fait ouvert. Hein. Non, c'est juste que les pierres sont tombées, ça, si t'avais pas compris, hein. Frigidarium. Mr. Holmes, nous avons dégagé le couloir, menant au Frigidarium. Vous pouvez y accéder. Thank you, Mr. Phillips. Merci, Monsieur Philippe. Je savais.
Perhaps I could find some clues. J'ai peut-être trouvé des indices de manipulation des pierres. Je peux pas aller dans le milieu, il y a un lac. A hidden sign. Une marque cachée. Symbol. Hidden symbol. Now I have all the clues. D'avoir tous les indices nécessaires pour découvrir où mène ce symbole. Là, ça fait la preuve d'imagination. Associer les éléments des trois statues pour révéler leur. Les bouts étaient tellement bons. The signs are pointing to this. Les symboles désignent ce buste. T'aurais jamais trouvé ça, toi. Elle est où la porte? Je pense que c'est ça qui est là. Quelle est cette endroit? Je ne saurais dire Watson, mais tout porte à croire que c'est le dernier endroit visité par ce Rodney. Nous arrivons au terme de ce mystère. Voilà, il me faut de la lumière.
I cannot see anything. I need some light. J'ai compris. I cannot see anything. I need some light. Il y avait peut-être au début, logiquement. Une plaque photographique brisée. Que fait-elle là? Il faut que je les amène à Baker Street. Très étrange, une machine à glace. Pourquoi Sir Rodney aurait-il rapporté ce genre d'objet? Watson? Toi? Tu observes. Tu poses pas de questions. Vêtu d'un costume anatolien et d'une bonne phrygienne, le dieu Mithra pourfend le taureau. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Grade initiatique du culte de Mithra. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Fire casts a shadow. Le feu projette un ombre au sol. It resembles a bull. On dirait un taureau. It resembles a incroyable, jugé par les lésions du niveau de l'orbite. Ce malheureux a connu une mort similaire à celle de Sir Rodney. Torse-toi dans les chemins, lui, tabarnak. Le pied est effondré il y a bien longtemps. Mummified bodies. Les momies sont dans une sorte de catacombe. This shadow seems to represent a bridge. It is very similar to the face of Mithras. That is the symbol of Neptune, dieu de la mer. The shadows show us the way to go. Nous trouverons Mithra après Neptune. Le taureau et le pan.
je vois pas du bon sens. Peut-être. Non, c'est par là. Mummified bodies. Les momies, nous sommes dans une sorte de catacombe. On va pas aller plus loin. Mummified bodies. Même chose. We're in some type of catacomb. Une pelle. A shovel. Une pelle. Not from the Romani. Pas de l'époque romaine. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Mummified. The pillar collapsed a long time ago. That is the the shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. Ben. Je vais prendre une photo de ça. Ben, je sais jusqu'à Neptune, un taureau, c'est jusqu'à le site d'archéologie. This fresco resembles Est disparu celui-là. La piste est plus bonne, c'est ce qu'il veut dire. Okay, je vais fouiller une dernière. A sack of crude salt. Bon, j'ai fini, c'était celle qui manquait à trouver. Tu l'as, Gwen? Oui, je suis là. Ah. Les étonnantes. Bon. J'ai-tu pris une photo finalement? Je pense que non. Mais c'était quand même
Neptune, le taureau, le pan, puis la face LED. Donc, Neptune. Neptune, the god of the sea. Le taureau. It is a broken statue of a bull. Le pan. Le pan en face. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. We should use these metal. We should use these metal. Okay, so we should. Ah. Les outils sont là. Faut les réparer. I should use the appropriate object here. Arrête de dire ça. I should use the. Est-ce que je peux le tourner? I should use the. I should use. Je peux pas enlever les morceaux, faire. Je peux bouger ça, par exemple. Et voilà. Ça, t'aurais pas trouvé ça. Excavating to. Et puis, ah, la côte, hein. This is the map. On va l'essayer sans, là. On va le voir s'il manque de quoi ou pas, là.
There might be something behind these leaves. I have to find a way of getting there. Pas trouvé le moyen d'y parvenir. Il manque de quoi? Il manque pas grand chose, mais il manque de quoi? Neptune, the god of the sea. C'est là-dedans que je l'ai pas vu. The gastrophètes were used with ropes and hooks. The gastrophètes. The gas. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. This. Il y a peut-être un dans. L'affaire ici, il est où, tabarnak? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est fou. Frigidarium. These are the city's Roman baths. What might be hidden there? Bon, s'il n'est pas ici, ça va commencer à me. Ça va commencer à devenir compliqué. Vulcan, the god of. The Cyclops. Qu'est-ce qui était? Qu'est-ce qu'il y avait quelque chose de vert qui a cliqué là?
Ah là! Putain. Those rings on the bridge. Ces anneaux sur le pont font que des cibles idéales. Firing a gastrophytes requires a lot of practice. Tabarnak. This one is ready. Ceci est prêt. Firing a gastrophytes requires a... Mais non, tabarnak. This one is ready. Wow. The bridge is ready. Le pont est prêt. En prenant-le. Putain de chiennasse. Tabarnak, c'est impossible, hostie. C'est quoi ce niaiserie-là? Au moins, il a avancé. Oh.
How about that? Facile. Ah, c'est Watson, j'ai trouvé quelque chose. Un puits. Il est où le soleil? Il est où? Il est où? Il est où le soleil? Are we inside the hidden temple? Sommes-nous dans le temple caché de Mithra Holmes? I am not sure. Je ne sais pas trop. Mieux vaut être prudent. Vous avez tout pour l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!